Salut, je m'appelle Audrey, je suis une passionnée des cheveux et vous trouverez sur ma chaîne des vidéos sur les cheveux crépus, frisés et bouclés. Pourquoi ces types de cheveux particulièrement? Pourquoi ces types de cheveux particulièrement? Parce que j'estime que ces types de cheveux sont encore mal compris et ont longtemps été mis de côté au profit des cheveux lisses qui constituent le principal modèle de beauté. Et moi, je trouve pas ça normal. Je trouve que la diversité, c'est très important et qu'on est tous beaux et belles, peu importe notre type de cheveux. Il y a aussi autre chose. Donc déjà, j'ai les cheveux crépus, frisés, bouclés, mais qui tendent plus vers le crépus. Et aussi, ce qui m'a choquée en métropole, c'est que j'ai été refusée par plusieurs salons de coiffure parce que j'avais les cheveux crépus. Donc, je trouve pas ça normal du tout. Donc du coup, je suis allée dans un salon spécial cheveux afro, soi-disant, et je me suis vite rendu compte qu'elle ne savait pas du tout s'en occuper, et voilà, je trouvais pas ça normal. Par contre, j'ai pas rencontré ce problème en Guadeloupe. Je pense qu'il n'y a pas de discrimination au niveau des cheveux en Guadeloupe, donc tant mieux. Quel est ton type de cheveux? Si vous me demandez mon type de cheveux, ne vous attendez pas à ce que je vous réponde en fonction de la classification d'André Walker parce que je ne suis pas d'accord avec ce système de typage. J'ai les cheveux crépus, plus ou moins volumineux, assez fins et donc j'ai remarqué quand même que j'ai plusieurs épaisseurs sur ma tête. Donc devant ils sont un peu plus épais, derrière ils sont un peu plus fins et mes cheveux à l'arrière sont beaucoup plus crépus que ceux à l'avant et rétrécissent beaucoup plus. En ce qui concerne la texture, je les trouve doux, cotonneux. Pourquoi avoir créé cette chaîne et pourquoi ce nom? J'ai créé cette chaîne pour partager mes expériences et mes connaissances que j'ai pu accumuler tout au long de mon aventure capillaire et j'estime que ça pourrait aider pas mal de personnes. Je m'intéresse à tout ce qui est science du cheveu, histoire du cheveu, coiffure, DIY, recettes fait maison, accessoires, ingrédients cosmétiques, etc. À la base, je voulais faire une chaîne sur la nutrition, les cheveux et le développement personnel, mais je vais vraiment me concentrer sur les cheveux pour l'instant et ça restera toujours mon thème principal. Je veux vraiment créer une plateforme avec une communauté positive, motivée et passionnée. Univers, parce que c'est un univers spécial cheveux et j'ai voulu contracter les deux tout simplement. Et soleil parce que je viens de Guadeloupe et il y a le soleil toute l'année. Et là, je vis en métropole. Le soleil me manque et j'aime beaucoup le soleil. Ça me met de bonne humeur, ça me donne de l'énergie. Et en plus, vous savez que le soleil, ça a beaucoup de bénéfices pour la santé et donc pour nos cheveux. Et de manière modérée, bien sûr. Mais voilà, vraiment, le soleil me manque avec un ciel bleu et dégagé et tout. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Donc voilà, en gros, c'est ça. C'est vraiment un nom qui me booste, en fait. As-tu un réseau social autre que YouTube? Pour l'instant, je ne compte pas avoir un autre réseau social attaché à ma chaîne YouTube, tout simplement par manque de temps. Il faut savoir que je suis étudiante et que j'ai énormément de travail, vous ne pouvez pas imaginer. Et donc, je ne souhaite pas trop m'éparpiller. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ma vidéo, sur mon évolution capillaire, parce que ça répond à d'autres questions, donc du coup, ça se complète. Merci de votre attention.